Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi le Sam Hospita. Là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si vous êtes bien positionné, aujourd'hui, je vais vous développer un peu sur la bourse ISBD. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est la Banque Islamique de Développement. Comme vous l'entendez très bien, la Banque Islamique. Donc, cette bourse-là, ça concerne plutôt les étudiants qui sont... dans une communauté musulmane, voilà. Donc, pour ceux vraiment qui sont intéressés, tout à l'heure, je vais vous montrer pour que vous puissiez savoir un peu de quoi il s'agit en fait, parce qu'il y a plusieurs nuances. Excusez-moi, il y a plusieurs nuances. Donc, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas vraiment à différencier les éléments et aussi les critères. Donc, on va aller pas à pas pour que vous puissiez au moins comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, je voulais rappeler en même temps. Cette bourse-là, la licence, le master et le doctorat, vous pouvez tous postuler. Donc, il n'y a même pas de problème pour ça. Maintenant, ce sont les informations et les pays qui sont éligibles que vous devez voir comment ça se passe. Ok, donc, ce que je vais faire, je vais essayer comme ça. Ici, comme vous voyez là, on dit les méritants sur le plan académique, mais financièrement démunis. D'entreprendre des études de premier cycle, on se les filier un peu. Premier cycle en médecine. Ingénierie, informatique, technologie, de l'information, agriculture et autres filières connexes. Voilà, donc vous savez déjà que pour étudier dans ces filières-là, c'est un peu, ça demande beaucoup d'argent et puis ça demande assez de moyens aussi. Donc cette bourse-là, c'est la bienvenue pour pouvoir vous aider à pouvoir y étudier. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, je vais venir ici pour voir un peu les pays qui sont éligibles. Donc si vous êtes dans ces pays-là, directement, vous devez savoir que vous pouvez déjà postuler. Donc ici, lancé en 2019 par la Banque de Fonds et de Solidarité Islamique pour le Développement, vise essentiellement à réduire la pauvreté dans les sociétés membres les moins avancées de la banque. Voilà, donc il permet, je suis là, il permet à des jeunes méritants et démunis de poursuivre des études de licence en médecine, ingénierie, agriculture, comme ce que je venais de dire tout à l'heure. Ok, technicien supérieur d'une institution publique dans leur pays. Voilà, donc dans les normes, avant cette bourse-là, ça appliquait seulement que dans votre pays. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays qui est éligible et que vous avez une bonne moyenne, vous pouvez appliquer directement dans votre pays et aller à l'université dans votre pays. Voilà, mais maintenant, c'est possible que vous, si, lorsque vous postulez dans votre pays et qu'il n'y a plus de place, voilà, ils peuvent vous envoyer ailleurs, c'est-à-dire dans les pays membres ou bien... dans les pays qui sont associés à la bourse. Donc ici, par exemple, ils ont dit dans d'autres filières connexes ou d'obtenir un diplôme de technicien supérieur d'une institution publique dans leur pays ou, vous voyez ici, dans leur pays ou dans les autres pays membres de la banque. Et les pays membres de la banque, vous allez voir qu'il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a... il y a plusieurs pays, il y a même le Japon, il y a plusieurs pays, vous voyez. Donc si vous êtes parmi ces pays qui sont là, ça veut dire que vous pouvez déjà postuler à cette bourse là sans problème. Voilà, si vous êtes dans ces pays là, vous pouvez postuler à cette bourse là maintenant, est-ce qu'il faut être dans une communauté musulmane? Voilà, si vous êtes dans ces pays là déjà, vous pouvez postuler, vous comprenez. Si vous êtes musulman ou pas, vous pouvez déjà postuler sans problème. Voilà, maintenant, on va aller directement ici pour plus d'informations sur cette bourse-là. Donc, quand je clique sur « Pour plus d'informations », on va voir un peu. Ça, c'est le document qui se trouve là. Donc, ce document, on va essayer de télécharger le document. Je lance le téléchargement. Ok, on va voir directement ce qu'ils disent et puis quelles sont les modalités de cette bourse-là. Ok. Donc, ça c'est le concept. Je ne vais pas lire tout ça pour vous éviter parce que après je dois aussi postuler. Je dois aussi vous montrer comment est-ce qu'on postule. Ici, on dit les filières. Actuellement, le programme de licence est axé sur la médecine. Voilà, comme vous voyez là, la médecine. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés en ce qui concerne la médecine, l'ingénierie, l'agriculture et d'autres filières connexes comme l'odontologie, la pharmacie, les sciences vétérinaires, les sciences soins infirmiers. La nutrition informatique, voilà, et la pêche, voilà. Donc, maintenant, où est-ce que l'étudiant peut aller étudier si il obtient cette bourse? Conformément au concept du programme
les étudiants peuvent être effectués dans les universités publiques reconnues du pays d'origine, c'est-à-dire dans votre pays. Cependant, la banque peut aider à placer les étudiants qui n'ont pas pu obtenir une inscription dans leur pays, dans les universités des pays membres, avec lesquels on a conclu des accords. Malaisie, Maroc, Turquie. D'autres pays publics aussi, d'autres universités publiques aussi des pays membres peuvent être acceptées si leur niveau académique, voilà. Ok. Maintenant, ici, qui peut postuler? Pour pouvoir postuler, il faut avoir d'abord besoin d'une aide financière, c'est-à-dire vous devez avoir une bonne connaissance, mais vous devez avoir aussi, je dirais pas pauvre, voilà, mais vous devez être vraiment dans les besoins pour pouvoir aller étudier dans la filière que vous souhaitez. Donc, être âgé de 24 ans et plus, voilà. Donc, être âgé de 24 ans ou plus, donc ça veut dire que si vous avez 24 ans, ça sera aussi un petit souci. Donc, vous devez avoir au moins jusqu'à 24 ans. 24 ans, c'est le maximum pour la licence. Ne pas être employé de la banque. Donc, vos parents ne doivent pas faire partie de la commission qui s'occupe de cette bourse-là. Voilà. Avoir terminé le second cycle. Donc, vous devez vraiment avoir votre bac. Si vous n'avez pas votre bac, ça sera vraiment compliqué pour vous de postuler. Avoir la preuve d'une compétence linguistique dans la langue d'enseignement. Voilà. Donc, si vous choisissez d'étudier en français, voilà, et que vous êtes anglophone, vous devez avoir un certificat. Si c'est l'anglais, vous devez avoir un certificat. Donc, fournir la traduction certifiée en anglais ou en français. Donc, si votre document est en français, ok. Si c'est en anglais, c'est bon. Si c'est en arabe, vous devez les traduire en français ou en anglais. Ok, donc après ça, vous fournissez un certificat médical qui dit que vous pouvez déjà étudier. Et après ça, ne pas vivre dans un pays autre que son pays d'origine. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez postuler, il faudrait que si vous dites que vous êtes au Mali ou bien au Sénégal, il faudrait que on puisse savoir que vous êtes au Mali ou au Sénégal. Donc ceux qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine ne peuvent pas postuler. Voilà, donc ici on dit la note, la bourse complète. Ici, la bourse complète toute autre source d'aide financière dont bénéficierait l'étudiant. Voilà, sans faire double emploi. Si la bourse lui est attribuée, il doit informer la banque séance tenante de ce qu'il en dispose d'une autre. Voilà donc. Si par exemple ici vous avez une bourse déjà qui s'occupe peut-être de votre scolarité et tout ça, et que vous obtenez encore la bourse qui est là, vous devez signaler la bourse et la bourse va compléter sur les autres parties de vos bourses qui ne sont pas prises en charge par la première bourse. C'est-à-dire que si par exemple vous avez déjà une bourse qui s'occupe seulement que de la scolarité et que vous avez cette bourse-là va vous permettre de couvrir le dortoir, le logement, la nourriture et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Voilà. Et d'ailleurs, on dit la candidature ou l'obtention d'un avis favorable de l'établissement d'enseignement ne signifie pas que la bourse a été accordée au candidat. Par conséquent, il ne doit prendre aucune mesure concernant son emploi. Bon, ça, c'est autre chose. Ok, maintenant, on va voir directement ce que couvre la bourse. La bourse ne couvre pas, voici ce que couvre la bourse ici, ce qu'elle a. La bourse couvre les frais de scolarité payables directement à l'université, l'allocation mensuelle proportionnelle au coût de la vie dans le pays d'études, l'allocation pour livres et vêtements, l'équivalent de 3 mois d'allocation mensuelle une fois par an. Les frais médicaux payables à l'université ou voilà. Pour les étudiants sélectionnés pour étudier à l'étranger, la banque fournit également, une fois au début et à la fin des études, des billets d'avion aller-retour en classe économique vers et depuis le pays d'études. Ça veut dire qu'en réalité, la bourse est 100% prise en charge parce que les besoins dont on a besoin, les besoins d'un étudiant dans ces universités-là, voilà, je crois que tout est déjà énuméré ici, donc on n'a pas vraiment besoin
d'autres choses pour pouvoir aller y étudier. Voilà, même le billet d'avion est pris en charge, donc je crois que ça va. Ok, donc c'est un peu ça. Et si vous voyez les pays qui sont là, donc la liste des communautés musulmanes éligibles établies dans les pays non membres. Donc ça, à part, je vous montre rapidement, à part ces pays qui sont ici, je vais vous montrer. Pour ces pays-là qui sont ici, ces pays qui sont là, voilà, vous êtes automatiquement éligible. Vous comprenez? Maintenant, s'il se trouve que vous vous retrouvez, par exemple, dans un pays comme l'Australie, Canada, mais vous êtes dans une communauté musulmane, vous êtes aussi éligible. Même si ces communautés-là, même si ces pays-là ne sont pas membres de la communauté ISBD, voilà, c'est pas un problème. Si vous êtes dans une communauté musulmane ici, dans ces pays-là, donc regardez très bien ces pays, voilà, ça ne veut pas dire que forcément vous devez être. Vous devez être ici pour être éligible. Non. Si vous êtes ici, vous êtes automatiquement éligible. Maintenant, si vous êtes dans ces pays-là, dans une communauté musulmane, alors vous êtes aussi éligible à postuler. Donc n'oubliez pas, c'est assez important. Voilà, donc, une fois qu'on a fini de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer de postuler. Donc, pour postuler, d'abord, on va s'enregistrer. Donc, je reviens sur la première page de la bourse ici. Donc vous voyez que la bourse a été lancée depuis le 20 février. Donc pour pouvoir avancer, vous allez cliquer sur, veuillez cliquer sur le lien suivant ici. Voilà. Et arrivé là, on va maintenant essayer de créer notre compte en cliquant sur register here. Donc je clique là. Voilà. Donc une fois qu'on clique là, il y a notre paramètre, c'est-à-dire notre interface qui s'affiche. Voilà, donc là, on doit commencer à s'enregistrer. Et une fois qu'on finit s'enregistrer, on soumet. Et lorsqu'on va soumettre, ils vont nous permettre de pouvoir continuer et essayer de terminer notre candidature. Voilà, donc je fais une vidéo, je fais une pause, je fais une autre vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe.